J'étais juste en train d'essayer ce souffleur d'air. C'est quoi ton délire? Non, mais sérieux. Tu débarques avec tes yeux de biche, tu t'évanouis sur scène. Pour qui tu te prends? Oh, je me présente, Léna Gré. Très drôle, ouais. Pas de deux, répertoire, après... Léna, tu m'écoutes? Couche-couche. Délicieux. Comment s'appelle cette merveille? Pizza. Tu sais pas ce que c'est qu'une pizza? T'es sûre que t'es italienne? Est-ce un pantalon? Bon, tu vas m'expliquer ce qui se passe. D'où est-ce que tu sors? Parce que là, on dirait carrément que tu viens d'une autre planète. Tu te comportes comme si tu sortais tout droit d'un documentaire historique. Je viens d'une petite ville de Russie... d'Italie. Et je n'ai pas l'habitude de tout ce confort moderne. Chez moi, les filles ne portent jamais de pantalon et ne mangent pas de pizza. Waouh! Ces chaussures sont très confortables. Oh! Tu serais pas amiche? Oh! D'accord. C'est tellement surprenant. Regarde, tu associes des friandises et ça te donne des points. Ensuite, il y a de nouvelles friandises et encore plus de points, c'est infini. Désolée. Je t'écoute maintenant, vas-y. Tu sais, j'avais jamais vu une telle chose de toute ma vie, c'est vraiment... Et ils se lavent les cheveux avec des produits extraordinaires. Pas de photos ni de vidéos sans autorisation. Surtout que je n'ai pas à me répéter. Je t'ai à l'œil. Tu crois qu'en jouant au petit être sans défense, on va s'intéresser à toi? Tu sais vraiment pas à qui t'as affaire. Tu devrais te renseigner. Je suis sur tous les réseaux. Les quoi? C'est ça, très drôle. Je suis suivie par des dizaines, de milliers de gens. T'en es sûre? Oui, Léna. J'en suis sûre. Et toutes ces personnes, elles te suivent partout? Tu sais quoi? Ton petit air ironique, je peux plus le supporter. Bonne journée, Léna. Je le pense sincèrement. Merci, Théa, c'est très gentil. Je te souhaite une bonne journée, moi aussi. Celui des garçons. Surtout, n'arrive jamais en retard au cours. À moins que tu sois morte, et encore, je suis même pas sûre que... T'as jamais vu de baie vitrée? Donc, tu dois être grave riche, un truc de malade, non? Je ne suis pas souffrante, merci. Et c'est à cause de ce malentendu que je ne me sentais pas à l'aise. Non, je veux dire, t'es blindée de thunes parce que tu viens d'une famille riche, tu comprends? Hé, hey, Jeff! Wow! Salut, Léna, quoi de neuf? Ça roule? Ouais, allez hop, par derrière, tchic! Pourquoi pas? Pourquoi tu fais tous ces mouvements-là? Ça veut dire quoi? Oh, alors, il y a le tchic en bas, ou le retourner, le rapide, la corde, suivi d'un poum poum pam pam pour dire passer une bonne journée, quoi. Waouh, c'est extraordinaire! T'es prête? Vise un peu ça, alors. Oh. Oh. Ouais, ok, ok. Eh ben, on a du boulot, hein, si tu veux être cool. Je veux être cool. Regarde, t'es prête? Tu commences dans les épaules, d'accord? Tu fais une sorte de vague. Ouh, ensuite, tu passes au sol. Ouais. Wouhou. C'est ça, pas mal. Ok. C'est presque ça. À Anna Karénine, de Léon Tolstoï. Je le connais bien. Oncle Léon est un ami de la famille. Tu te trompes? Non, je sais ce que je dis. Il est d'ailleurs venu au palais le mois dernier. Ça te coule la bête? La tête. Le bec. Le bec, oui. Ok. Ma mère dit toujours, quand une journée ne s'annonce pas très bonne, il faut se présenter du mieux possible. Peut-être comme le téléphone. Sèche mes cheveux. Tout va bien? Oh, oui, merci, ça va. C'est gentil de demander.
dirais que t'as jamais vu d'ananas de ta vie. On n'a plus le droit de se planter. En tout cas, pas dans cette école. Je sais. On fait la paix. Avec plaisir. Tu veux d'abord finir ton dîner ? Non. Je suis prête. Allons-y.